À tous, on se retrouve sur Stellaris en multi, c'est The Last Hop, le double front est bientôt fini pour moi. Je termine avec l'accord de Féa, Pandémia, la planète qui leur reste, le reste on s'en fiche là. Et on essaie de contenir la Sénestrie. Vous avez déclaré la guerre ou c'est elle qui vous a attaqué? C'était comment en fait dans l'épisode précédent? Eh bien c'est elle qui a attaqué, tu sais. Ah ouais, elle se sentait tellement. Elle est un peu butée quand même, hein, j'ai envie de dire. Du coup la Manta, je pense que ça va pas tarder. Même si j'ai plus de frontières avec elle, et je crois que ça... ça nous a plus ou moins sauvés. T'es elle que je tiens. Il y a des canons, il y a des défenses, tu peux l'améliorer ou... Je peux l'améliorer, mais je sais pas si c'était forcément le truc. Tu veux que je l'améliore? Je rappelle quand même que la Sénestrie, c'est la population la plus évoluée technologiquement de toute la galaxie. Ah, donc il faudrait le mater de toute façon. C'est pour ça qu'il nous met aussi... Ce qui explique la difficulté lors des combats. Hein. Ouais. Les cuirassés avec des trucs de taille 3 ou 4, ça... Dès que je récupère ma flotte qui a disparu parce qu'elle se faisait pomper par 26K, je regroupe mes flottes, ça va être bon. Hein. Ouais. On va pouvoir lancer du coup. Et si les mantas sont intelligents, ils vont pas nous attaquer pour se concentrer sur la Sénestrie, justement. Ouais, c'est pour donc ça qu'ils vont t'attaquer parce qu'ils sont pas intelligents du tout. Mais c'est pour ça que je disais que Tethel, c'est pas mal de l'augmenter en défense, ouais. D'accord, je vais acheter des minerais et je vois ça. En fait, j'ai peur d'investir dans de l'alliage alors que j'ai les mercenaires à payer. Ah oui, faut pas, n'investis pas. Non, n'investis pas, mais c'est à l'occasion quand tu peux, quoi. Non, mais au cas où, je peux toujours vous envoyer des petites babioles. Hein. Là, tu peux monter au-dessus de ta station au niveau. Faudrait voir combien ça coûte. Non, pour le moment, je peux pas, j'ai pas l'alliage. Bon, t'as tout en batterie de canon, de toute façon, donc c'est bon. Ah ouais. En fait, j'ai préféré faire mes forteresses un peu plus en retrait. Ne serait-ce que pour faire des ancrages. Parce que tu vois, là, je suis en capacité navale, je suis à 184. Je suis en train de faire des ancrages pour remonter tout ça, pour éviter les gros malus que j'ai en énergie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Drypol, pour l'instant, les planètes, je les ai envahies. Il a juste pris la base. Mais si j'y vais, il va me tomber dessus avec ses 26K. Si on remet lecture, je vois ce qu'il fait, là, justement. Ces deux flottes, ça a l'air de bouger. Vous avez besoin de ressources ou c'est bon? Oh, moi, je suis à fond, c'est bien. Féa, tu es comment? Ça va, j'ai 18K pour payer la flotte s'ils me redemandent. Donc là... Je vends des petits trucs, ça devrait passer. Je suis à moins 5 pour les biens de consommation, c'est pas pire. Moins 7 pour la bouffe, c'est pas pire. T'as pas d'urgence? Ouais, ok. J'ai pas d'urgence. Et je suis à 167 par tour de trucs, donc je vais pouvoir vendre pas mal de minéraux déjà. Ok, bah écoute, je lance et je regarde le mouvement des troupes ennemies. Que je fais régulièrement. Et ils vont à Agil. Agil? Pourquoi Agil? Oh bah écoute, du coup je vais reprendre Drapol. Hein. Ah bah oui, il va refonder avec une autre flotte de 1400, d'accord. Bon, moi je suis toujours en déplacement pour te renforcer à Tethel. Ouais. Ou à Tethel si tu préfères. Tethel, je vais la laisser seule pour l'instant. Je le taquine avec Drapol, je vais essayer de l'embêter un plus. Écoute. Surtout que du coup, je vais peut-être pouvoir même l'embêter plus que ça. Construction complete. Allez, hop, elle est renommée à Tethel. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est pas mal ça aussi. Bon, le temps que ça bouge, je vais regarder vite fait ce que j'ai décidé là-bas. On est bien. Ah, j'arrive pas à supprimer la piraterie, moi. Il faudrait être dans les stations du coup des canons pour faire plus 1 en défense à chaque ligne. Peut-être ça le truc. Il descend à 600. Non, moi, je vais devoir faire une flotte pour... La Manta me déclare la guerre, de façon à dire... C'est vrai? Oui. Ben voilà. Comme ça, pour débuter un épisode, il n'y a pas mieux. C'est la merde. La Manta... Et on a fait l'introduction de l'épisode? Oui.
Oh là là, j'ai eu un blanc. Ah ouais, hein. Ce que je fais, c'est que je reprends Drapol pour l'instant. Et puis mes troupes, j'ai mes mêmes en arrière, j'ai un peu peur là. On va voir ce qui nous tombe dessus. Moi, j'ai que 10K, hein, 12K pour défendre. Alors, t'as bien vérifié que t'avais les munitions, boucliers, tout ça, parce que ça, j'avais fait au début de la guerre. Oh oui, t'as bien raison les de me décrets. rappeler. Ouais, tout est Je voulais actif. voir si je pouvais pas améliorer les trucs. J'ai rien d'intéressant à améliorer pour le moment. Moi, le problème de mes corvettes, c'est que je les ai mis en amélioration automatique, mais qu'elles ont tout à 1 quand même. Hein. Du coup, je vais peut-être avoir des objets à faire. Je suis fou. Hein. Je suis Bien fou. J'ai à upgrader. Est-ce qu'on peut rester en pause quelques secondes? J'ai sûr. un refit à faire. J'avais pas pensé. Ah ouais, non, mais c'est pour ça aussi. Il faut que j'améliore mes flottes, moi. La bonne nouvelle, c'est que du coup, comme j'avais laissé des flottes à Trax-Ofco, je vais pouvoir prendre Mizram et reprendre ce que la Sinistrie m'a volé. Enfin, je sais pas s'il me l'a vraiment volé en fait, mais on va considérer que c'est du vol. C'est plus facile de penser comme ça. Oui, je suis d'accord. Là, je suis pas. Ah oui, non, j'ai tout augmenté d'un rang. Je suis rang 4 maintenant en armes. Je vais les augmenter. Il va être temps là. Oh, GG. Mais problème, c'est qu'en tenant tes tels, je peux pas améliorer mes flottes. Bah, t'as un chantier, c'est tout. Ah oui, bah si, ça va le faire quand même. Alors doucement. Ouais. Upgrade, upgrade. Parce qu'il faut piquer. De toute façon, c'est que comme ça Si. qu'on va y arriver. Sinon, c'est les bacs, c'est un peu loin, mais c'est les bacs. Non, non, mais t'es C'est ce tel, qu'il faut. en tenant et en améliorant doucement, ça va le faire. Croiseur, c'est vu. Est-ce que j'ai amélioré là? Non. Pourquoi j'ai de la post-combustion en... N'importe quoi. Et plateforme de défense, pareil, bah, on va augmenter. Hein. On va refit tout ça. De toute façon, c'est pas l'urgence, c'est plateforme. Avec toi, je suis tranquille. Oui. C'est en tenir ta position. Voilà, bon. On peut C'est ça relancer. le temps de resynchroniser nos flottes et de refaire une vague un peu violente. Ouais, En plus, l'avantage d'être vers Tethel et Paix, c'est qu'on aura d'un côté la flotte de la Manta qui va nous rouler dessus, et de l'autre côté, on aura la flotte de. ah oui. Ça va être saignant, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. Comme d'habitude, hein, il faut essayer de tenir sur la première guerre et puis vous gagnerez des territoires sur la seconde. Hein. Oui, Je oui. pense. Et après, on Mais va te redonner. je rappelle que la Manta, mine de rien, en général, vous lui roulez dessus. Hein. Oui. Oui, elle est pas très forte pour le moment, ça c'est clair. C'est vraiment la sinistrie avec ses cuirassés et son niveau Essaye technologique. juste de tenir la sénestrie à distance. Et puis surtout, si tu pouvais récupérer les petites poches de la sénestrie. C'est ce Voilà. que j'essaie de faire, ouais. J'ai split mes flottes, j'ai 16K, 10 et 6 qui vont s'occuper de la partie à côté de Trax. Et j'ai tout le reste qui s'occupe, qui va renforcer tes gars. Et qui va aller du côté de la montagne. Et là, je suis en train de faire de recherche pour augmenter les dommages des armées assaillantes de 15%. Morale des armées 15%. Kanongo en recherche dans 66 mois. Ouais, bon, on a le temps de crever. Moi, je suis OK pour redémarrer. Je vois qu'il y a plein de soucis. Ah bah moi aussi. C'est en 26K, il l'envoie au sud. Pourquoi? Il va me revenir dessus, non? Est-ce que Slan, tu as encore un peu d'alliage? Oh, t'exagères, je viens juste de faire mes flottes. Oui, bien sûr, t'envoies ça tout de suite. Combien il te faut? 1000 si tu as. C'est pour des ancrages, j'en ai besoin pour Tu me fais un gagner reçu, hein? 20%. Oui, je te fais un reçu, j'ai mon imprimante qui est cassée, mon scio marche pas, mais t'inquiète pas, je vais faire un reçu. C'est dommage qu'il se tape pas dessus, Manta et Asenestri, ils profitent pas l'un de l'autre des faiblesses. Est-ce qu'on peut remettre la partie? Ouais. Ouais, tout doucement, on a la pause à portée de main si ça dégénère. Voilà, je Oui, t'ai je fais envoyé les attention. 1000. Oh, 2783. Ça, c'est gentil. De rien. Tu as limite mérité Alpha Idriss. Ouais, limite, ouais. Je suis à deux doigts de bientôt la mériter, peut-être. Bon, Il faut qu'on en discute en interne, tu sais, les choses, je vais pas m'avancer non pendant une plus. trêve, pendant une paix, si un jour il y en a une. Oui, pendant une paix, ça va, j'ai le temps de la garder quand même. Sécurité n'est pas venue. Alors, je lui casse un peu de flotte, j'en profite, hein. Non, en fait, on va se séparer la sinistrie, Slan. Je vais te donner les deux tiers de la sinistrie. Et je te passerai. Voilà. Tu me passeras. Oui.
Oui, je suis d'accord, parce que c'est tellement compliqué de réfléchir. Si la station pouvait Non, régénérer. mais Ah, il a divisé ses troupes. moi je suis plus pour grappiller Alpha Idri et puis à Tech, je prendrais 2-3 planètes aussi. J'ai pas besoin de me Oui, grossir oui. beaucoup, hein. Bah si, parce que... On peut te faire un couloir au sud avec la Parce Sénestrie. que comme ça, après, toi, tu gères les planètes pendant que nous, on fait les Ah, guerres, ça, et pour bah coup, c'est la vachement gestion de pratique. planète, je peux te dire que j'en fais, hein. Bah justement, Non, et puis surtout, si... au niveau technologie civile, je Qu'est-ce que dois c'est que être ce très bordel? largement au-dessus de vous, hein. Stop 2 secondes. Excusez-moi. Ah. Féa, chez toi, au nord de Walzirine, vraiment au nord, il y a une flotte qui t'attaque à Padjitoron? Une flotte de Alors, 4,5, elle vient oui, d'où? j'ai vu ça qui vient juste d'arriver. Ah bah, je Bah suis c'est la Manta. demi-tour. Mais t'inquiète pas, j'ai 2K. J'ai 8K. Je veux l'attaquer, c'est la Bon, Manta. d'accord. En fait, ils ont dû déclarer la guerre pendant que des flottes. Non, je sais pas comment il a Ah fait oui, pour t'as passer là en 8K, fait. t'as 8K, c'est bon. J'ai pas compris comment il a fait. Ah si, c'est parce que derrière, il a dû faire placer ses flottes à Ginium ou tout ça. Ouais. Donc je vais essayer de piquer ça, en fait, au Ouais. final. Et Mais puis voilà. Drapol, je l'ai repris. Est-ce qu'elle est en max, en batterie et tout, de canon? Bon, il revient de toute façon. Laisse tomber, il revient. Non, mes forteresses sont pas en max, elles sont en 3-3. 3 Non. chantiers, 3 canons. Ouais, non, laisse tomber. Le 20K revient dès que je la reprends. Ah, une invasion. Oula, je vais perdre une planète qui est à. Ah oui, la production, ouais. Normal. De toute façon, ça me tombe bien parce qu'elle me fait chier depuis le début, cette planète. À 100% de criminalité, enfin. Allez, saute! Tu me l'as rendu en PLS. Ouais. Ah ouais, le 21K arrive vers moi. Où est mon autre flotte? J'ai tellement besoin. Allez, on fuit. Ah oui, là il est monté. Oui, d'accord, le 26K revient intégralement. Construction complete. Où est-ce que je peux me replier? Au pire, c'est à Settelback, hein, dans le pire des cas. Cette Elbac, c'est la plus puissante de la zone. Ouais. Par contre, elle ne fait que 6K. Oui, mais plus moi, ça fera 16. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, mais j'ai Pourquoi pas tu les veux moyens de. pas... Construction complete. Ah, et la Manta envoie du 25K, 30, Ouch. 40K. Bien. Ouch. On a un Là, on est problème. mal. Je me replie peut-être un peu. Là, il faut vraiment faire un gros tas avec toutes vos flottes. Bah, Ouais. j'envoie des renforts à Célébac. Bah, j'envoie tout le monde, j'arrête de bombarder un peu Pandemia. Hein. J'ai pas le choix. Ils vont devoir se démerder tout seuls sans moi. Allez. Il y a Ah, une lassitude lassitude de guerre, pour ouais. qui? Pour tout le Pour nous, monde. j'imagine. Ah non, mais c'est Pour tout le bien monde. ça. Attends, ou alors c'est quoi? C'est La paix peut être Runway imposée par transmission. les zombifiés war. Écoute, je fais une paix avec Pandemia pour l'instant. Bon, d'accord. Parce que c'est la lassitude, et puis voilà. Ah oui, Pandaya, Ouais, excuse-moi, ouais. j'ai compris. J'ai de la sinistrie, je sais pas pourquoi. Non, non, mais. J'ai dit ouais, mais quand même. Je vais du coup repenser mes stations. Après, oublie pas que 6-4 stations, c'est très éprouvant pour une flotte. Mais là, je peux pas me poser de questions. Ouais. Mais c'était le bac, tu peux pas faire plus de. Quand De j'aurai des. tourelles, quoi, là, de base. Bah c'est en train de construire en fait. Ok, Oh! peut-être Allez, qu'il on a se besoin. barre. Je suis obligé de reculer à Settelback. Disons que là pour le moment Excellent. c'était le bac, tu as 3 canons et 2 chantiers. Voilà. Ok, bah continue. Ouais, mais les bases, ça se construit à part. Je sais, mais les bases, bah le problème c'est que non, elles se C'est construisent pas à rapide, hein? part. Elles se construisent pas à part et il faut des Ouais. alliages, hein, et j'en ai que 600. Ah, mais je peux t'envoyer encore des alliages, hein? Bah Ah écoute. bah il faut y aller là. Ouais, toi c'était bloc. Allez, on fuit. Allez, ils reprennent en fait ce qu'on a eu la première fois, les saligots. Hein. Oui, mais c'est C'est le pas de début de la la vraie guerre, reprise. ça, quand ils sont 2 contre 1 et après, voilà. Après tout, c'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui déclarent la guerre. Ils ont le temps de placer leur flotte, tout ça, quoi. Alors, est-ce qu'on rétrograde des armées ici? Alors, vous savez combien ça fait?
Merci. Et je t'ai fait un petit accord de recherche. Parce que j'imagine que maintenant, t'as plein d'influence. Ah, on n'avait pas fait encore. Eh bien non, mais on n'avait pas beaucoup d'influence il y a longtemps. Mais maintenant que je gagne 1500 de recherche, j'imagine que ça t'intéresse. Oui. Après, c'est en fonction de... Pourquoi... Ah oui, c'est juste de l'insulte. Ok. Alors, j'avais un truc à améliorer. Niveau technologique, 845. C'est pas mal. Une vraie catastrophe. Bon, à toi, ils arrivent, la menta arrive à Tetel. On va au moins upgrader la flotte qu'on peut. Allez. Ah, ça y est, je peux améliorer les fonderies. Bah, go. Déjà, en améliorer deux, on va pas être trop gourmand. Je sais pas comment l'économie va. Ma flotte est à 13K, à 6K de station, ça fait donc du 18K. Attendez, hop. Deux secondes. Et mon autre flotte, elle est très loin. Oh là là, oui. Ils sont en mode un peu vénère, parce qu'il faut que je fasse un micro gestion de planète, un peu pas long. Juste que je gère. À quoi ça me sert de garder celle-là ? C'est quoi ce monde ? Ah, c'est un monde que j'avais occupé, ça. C'est les mondes foireux que j'ai chopés, qui sont en train de se faire purger. Ouais. Hop, c'est bon, on repart. Si j'avais un atout qui tombait là pour augmenter mes stations, ça me libérait un problème aussi. T'as l'intention de reprendre les stations là qui étaient... Ouais, bah oui, mais c'est pas grave. J'upgrade la Pinator, ma troupe principale, 12,7, allez, allez. Non, mais c'est aussi pour ça que j'ai mis un peu retrait les bases de... Ouais. Parce que une bonne retraite stratégique, ça permet d'avoir le temps de se préparer, et puis après... Ouais. Bouclier énergétique... Une fois que nous, on est synchronisé. Ouais, bouclier énergétique tier 3, blindage tier 2. Il a quand même les rayons laser tier 4. Et 25K, tier... on a combien sur place? 13 plus 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est à 22 plus la base. Ouais, mais en fait, la sinistrie, il y a 21K, 25 par Manta, ça fait du 46, quoi, dans la tronche. Oui, mais ils vont... je pense pas qu'ils vont... Il faut tenir. Et j'ai mon flotte qui a pas repop, punaise. Bon, bah moi, je mets en pause hein, toutes mes constructions, mes développements, hein, puis je vais essayer de vous stocker des choses. Ouais. Il me manque une flotte, j'ai l'impression. Mais elle est passée où? Qu'est-ce qu'elle fout là, toi? Eh, va combattre. Après, j'ai des renforts qui arrivent sur Célébac, hein, donc tant qu'on se prend une vague et qu'ils sont pas... poil synchronisé, ça devrait. Les 26K sont à nos portes, hein, quasiment à deux sauts. Je renforce tout ce que je peux. Je suis monté à 13,7K. Ouais, ouais. Ah, ça y est, Security, t'es où? Allez, en urgence. Enfin, en urgence, t'es tellement mal. Les plateformes de défense sont en train de se construire, mais bon. Je sais à combien, là, c'est le bac. Bon, elle est à réparer, mais je l'envoie. Hop. Hop. J'ai dû payer les mercenaires, donc faut que je fasse un peu d'argent. Il a fait un repli. Bah, elle a vu que c'était quand même un peu risqué quand même. Qu'est-ce que je fais? Je bouge pas. Hein. Pour l'instant, je rénove. Mais oui, non, rénove. Bah, attends que j'arrive. Ouais, tu vois là, actuellement, j'ai pris le risque d'envoyer une toute petite flotte reprendre le dessus, parce qu'ils ont fait des chantiers navaux et comme ça, ça nous va nous. Tu viens de payer les mercenaires, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc dès que je peux, je te renvoie 20K. C'est gentil. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Capacité en bastella, oui. Évidemment. Ça y est, j'ai des icônes qui commencent à apparaître partout sur mes planètes. Je me développe pas assez vite. Alors, attends, il nous a envoyé... Ah oui, c'est la Cali... Ah oui. Attends, construction complete. Je m'en parle pas des icônes sur les planètes, hein. J'ose pas imaginer, vous qui êtes tout le temps en guerre. Eh ben, il faut suivre le rythme.
C'est ça quoi. Tu fais le truc à l'instant en fait. N'oubliez pas vos boosters, vos boosters et puis vos eddies. Hein. Les c'est boosters, très normalement, important. Hein. Normalement, paf, je reviens. Non, on est au max. Hein. Tout tient bien. Puis j'ai du stock. Ah oui, je suis à plus de 1004 chaque truc, donc c'est bon. Sauf les particules, mais c'est pas grave. Alors, il se rapproche quand même là. 27, 28K. J'ai le droit de crier maman. Oui. Non, mais vous allez tenir là, vous allez tenir. Je suis à 14K de puissance. Toutes ces planètes non colonisées chez FEA, c'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. T'as investi en plateforme de défense à Stellback ou pas? Ouais, ouais, ça. T'as investi. Elle a combien ça maintenant? Alors, à Stellback, c'est juste 7K. Hein. Bah... bah, tu les as pas mis, tu les as pas fait passer devant? Bah si. Mais ah, ça, elles sont pourries tes plateformes. Elles sont pourries les miennes. Plateformes. Ça l'a quand même bien freiné. Non, non, malgré tout. J'en ai suivi mes carreaux, excuse-moi. Ça l'a bien freiné les conquêtes. Il s'est passé que quelques mois. Hein. C'est pas... Ben ah, il approche. Il approche quand même. Ouais, ouais. Vous aurez bientôt un méga chantier à Kakkonen. Hein. La 27K est proche de nous, mais il va vers toi, il va te prendre, je pense. Oui, oui, il veut prendre les deux mercenaires qui sont en haut, mais c'est pas grave. Oh, pas c'est grave. Chaud. On a moyen de peut-être y arriver à l'esquiver, donc. Faut tenir. Vous allez tenir. L'abominateur est encore chez moi. Ah ouais, tout est loin. 25K, toi t'es... Ouais. Moi j'ai que 14-4 là. Ça monte quand même, hein. La rénovation aide. Si je pouvais arriver tranquille à 20K avant qu'ils viennent, ce serait beau. Hein. Ouais. On peut rêver un peu. Flotte déjà à la puissance maximale, comment ça? Ah ouais, bon d'accord. Je vais arriver à 10 croiseurs, 30 destroyers et 40 corvettes. Et lui, comment? Il a 10 croiseurs, 21 destroyers, 38 corvettes et 6 cuirassés. Punaise. La vache. Ça y est, ça commence la confrontation, il arrive à Suter. Construction complete. Moi, je vais, j'ai envie d'attaquer à Suter pour le prendre avant qu'il se... Tu vas-y. Vois, il a... Vas-y, vas-y. Ouais, il a... T'as combien, il toi a un peu, il a un peu... Ah, oh, c'est beaucoup, je sais plus. Hein, c'est 10, 13K. Ou je peux y aller vite fait, hein, si tu veux. Ah, j'ai pas fini ma rénovation, tu me diras. Non, mais vas-y, moi j'ai fini et puis t'as des mercenaires dedans. Mmh. Bah, vas-y, là. Il s'occupe au nord, ouais, bon. Si je comprends bien, une fois qu'on aura réussi à casser la sénestrie, on est tranquille peut-être après. Peut-être. Je comprends toujours pas la Légion qui m'embête pas au nord, d'ailleurs. Parce qu'on est quand même assez violent. On est fudé, puis on est super balèze. Et puis t'as des ennemis un peu plus agressifs à côté aussi. Que nous, on n'est pas si agressifs, donc il veut se dire que mieux vaut... Les autres sont un peu bloqués, quoi. C'est la Harde Verriage qui est derrière, donc ils ont un peu peur. Oh là 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 là. Et en deux épisodes, j'ai quand même réussi à passer ma puissance économique de 4000 à 6000. Ah bah c'est ça, bien. Ça y est, il back. Ouais, ouais, je suis. Y a plus c'est que, pas bon, y a c'est plus pas bon, reviens. Il n'y a plus que deux nations dessus. Ça y est, c'est bon, je reviens. Parce que je le sens pas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, même pas. Il vient pas vers nous. Ah bon? Non. Ouais, je pense qu'il stade quand même s'il est là, non? Ouais. J'arrive il, à... Je pense qu'il va vers... il va vers l'Adélicon. Il a cru nous embêter, mais finalement... Au final, c'est l'inverse. Ouais. Alors là, j'ai quoi, là? En fait, il a vu qu'il pouvait pas. L'endroit où j'avais mis la flotte, il pouvait pas vraiment l'attaquer. J'allais le. J'allais pouvoir l'esquiver. Ouais. Donc, il a dit que ça servait à rien. Il a préféré. Il faudrait que je bloque là. Pouf, 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 pouf. Oula, c'est mauvais signe ça. C'est vrai que je pourrais te laisser une partie, Féa.
Le district que j'ai avec Pandemia, tout ça, je pourrais te le laisser un petit peu juste au nord de chez toi. Ma station au Chimir, tu vois. Bah, pour le moment, je suis un peu trop noyé par le nombre de trucs à gérer, donc on verra ça dans un moment de paix. Alors, qu'est-ce qu'il fait, justement, le 26, là? Il va où? Il va prendre Shutra. Bah, moi, je veux... Est-ce que j'ai rénové complètement? Pas encore. Ah, punaise. Et du coup, je suis en train d'essayer de renforcer... Merci, Sled. Alors... De rien. Il a repayé la flotte, en fait. Par contre, le problème, c'est que je fais que 50 d'alliages par tour. C'est une calamité. Ouais. Mais ça j'en fais 100. Ouais, mais ça sert à rien. J'ai pas le purificateur de minerais. J'ai pas assez. C'est... Mais je fais 222 biens commerciaux aussi. Ce qui permet de faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors, encore une flotte quelque part? C'est quoi? Je viens d'upgrader mes deux vaisseaux. Allô. Le renforcement de la flotte est hors de notre moyen. Tu es allié à jouer. Construction complete. Alors. Bon, j'ai fait un peu de planète, j'en ai profité le temps de la rénove. J'arrive à 15K, toujours en rénove. Par contre, j'ai l'impression qu'il s'est un peu divisé. J'hésite à aller à... J'aimerais bien bouger, mais je peux pas encore. Oh, il y a la flotte Abominator qui est en train de passer chez moi, là. Est-ce qu'elle est abominable? Non. Je vois les troupes de... En fait, c'est plus court de passer par chez moi que par chez toi. Et je vois toutes les troupes de tech qui passent. En même temps, j'ai mis des hyperlinks partout, hein. Merci, voilà. Ça c'est bien. Bah, enfin, partout où j'ai pu. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui amène là? Du 2K à 7h. Oh là là, il espère vraiment t'embêter. Hein. Ouais, ouais. Bon, ma rénovation, j'en suis où là? Qu'est-ce qui manque encore? Ouais, il va peut-être l'arriver à la choper, en fait. Hein. 15K. 40%. Bon, là, je dis qu'on peut pas gagner plus de temps que ça, mais c'est un peu triste quand même. Du coup, je vais l'attaquer à taux Hydri, je vais faire une contre-attaque. C'est qui arrive là? Ah non, c'est pas celle-là. Alors, l'Abominator est rendu que là. Oh là là. Et Security là-bas. Ouais, bon bah. Ça approche, hein. Vous avez besoin de rien, je veux faire un achat assez cher sur le marché. Moi j'ai besoin d'alliage, mais après, pour améliorer les flottes et tout ça. J'ai pas mal de technologie. Okay, bon, bah, tant pis. Ça 27K, ça 27K va à Rul. Bah, je pense qu'il va nous rouler dessus après, de toute façon. Ah. Il a réussi à me choper ma flotte, il a réussi à bien jouer. Hop. Mais c'est pas si grave parce que... Parce que c'est pas sa flotte principale. Pas encore en tout cas. Ah non! Encore un misclic de la mort qui tue! Elle est où sa grosse flotte? Ah, elle est à Rul, ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, ouais. Quel genre de misclic? Bah, quand t'achètes au lieu de vendre ou quand tu vends au lieu d'acheter. Celui-ci, c'est le pire. Tu vois tes ressources s'envoler. Achat-vente, achat-vente, achat-vente en fonction des trucs. Il est rendu à 30K et il revient, il a repris vers le nord, il revient vers Penosta tout doucement, t'as le temps. Alors j'en suis rendu à combien de pourcents? 45, mais ça avance pas. En même temps, le tankiste Astuco, tout le monde arrive, hein, je vais remonter à 26, j'arrive à péniblement à 30K. Alors moi j'ai une autre flotte, elle est à... Qu'est-ce qu'elle fout? Construction complete. Elle est longue, lente. Elle s'est fait attaquer? Ah ouais, elle s'est fait attaquer. Je l'ai pas vu. Putain. Tiens, un petit peu. Est-ce que t'aurais un peu d'alliage à traîner pour quelqu'un, mon cher Slan? Ah non, zéro alliage. Mais ils viennent d'être bouffés par ma flotte principale en amélioration sans même que j'ai temps de les voir. J'ai juste de lui en envoyer 2500 il y a 2 secondes. Ah. Et bah, elle a disparu. Les alliages, je sais pas où ils sont passés, mais ils y sont passés.
Voilà. T'as une station Traxoco, ça rénove vite là-bas ou quoi? Traxoco, c'est où ça? Pourquoi ça Traxoco? Je voulais savoir si... Ah oui, c'est la 3 chantiers, oui, c'est bon. Eh ben, j'envoie à Traxoco rénover les deux petites flottes parce que... En espérant que ça tienne. Alors, la 22K sur Drépol, oh là là. Kamina, donc je peux pas trop m'avancer ouais. Ailleurs. Mais le problème, c'est que là, on fait pas grand-chose. Il faudrait arriver à déplacer le combat à un endroit qui soit plus favorable. Non, tenez bon oui, et voilà. Signez la paix avec l'un des deux, c'est tout. À la limite, avec qui... Vous stressez pas. Bah, ils sont à 23 et 62, quoi, c'est un peu compliqué. La sinistrie, on peut taper dedans, mais bon. Mais c'est ce qui va arriver, hein. Alors, en fait, ce qu'on est obligé d'attendre, ça, c'est je rénove mes troupes et après, je suis prêt, hein. Ouais. En fait, il faudrait que j'arrive à prendre la sinistrie là-haut. Tous les coups. Ah oui. Là, c'est un vrai. On se regarde ancienne faïence, quoi. Ouais. Parce que t'as la sinistrie, mais il est où le mental? Parce que moi, je veux que des troupes de la sinistrie, en fait. Ah bah, il est reparti dans l'autre sens, j'ai pas compris. Je suis à nouveau en train de tout vendre pour essayer de te faire des. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Des alliages. J'ai l'abominator qui arrive à Traxoco bientôt. Alors, ouais, je l'ai vu passer là. Ouais, et je me suis gardé un peu d'alliage, j'ai 2K d'alliage pour rénover, donc j'espère aller au plus vite. Ma troupe principale, j'approche des 16K gentiment. 71% d'amélioration déjà. Ouh. J'aimerais juste savoir où il est, quoi. Bon, déjà, ça traîne pas trop. Alors. Je rappelle qu'à Kakkonen, il y a 4 chantiers navals maintenant, hein, plus un poste, un quartier d'équipage. Ouais. C'est juste à côté du NIT, hein, parce que si vous êtes tous sur Traxoco... Ah, Traxoco, c'est une bonne station, hein, C'est la rénov. Alors, redis-moi ça, parce que j'étais pas concentré. Je reprenais les fonds. À Kakkonen, t'as un quartier d'équipage et 4 chantiers navals, mais je vais en faire d'autres plus, il y en aura 6. Ah oui, ouais. D'accord, oui. C'est un point pour vous restaurer en bordure. Là bah j'envoie une flotte chez toi ouais pour restaurer tout de suite. Merci pour l'info. Ouais. Et sur Unit, il y a plus rien en tant que de chantier naval et tout ça. Ouais, mais fais de la défense. Ouais. Monte là. Voilà. Bon bah je rénove déjà Abominator, c'est parti. C'est vrai que je pourrais la monter un peu bah dès que j'ai des alliages. Ah t'en auras pu. Je sais. Et je sais pas d'où où ils partent, mais... Enfin, ils y vont, hein. Amélioration. C'est l'amélioration de flotte qui fait ça, je pense. En même temps, on n'est pas trop emmerdé parce que la sinistrie, sa flotte de 22K, elle reste là où j'ai conquis les planètes. Ça, c'est bien. Il y a moyen de voir ce que font les nos chantiers. Ouais, c'est Trax qui, apparemment, fait les améliorations. Ouais, c'est ça. Bon, et à Kakkonen, je rénove Security, c'est bon... Ah, ça va vite, hein, c'est bien. Putain, la 30K de la sinistrie à Else. Bon, en haut, en haut. Merci, Slan. Voilà, désolé, ça m'a pris quelques mois. Non, mais c'est énorme. Et il a 22K en bas. Il a 50K au total, plus des petites flottes à droite à gauche. Ça recule, là, dites donc. Hein. On n'a pas eu le choix, c'est de la survie. Ah, c'est à le bac, ça va tenir. Hein. Quand je pense qu'on était rendu au soleil, ouais. Presque. Oh la vache, oui. Oui. Tellement fier. Soleil, nous voilà, tellement fier. Allô. Mais attendez qu'on signe la première paix et ça va saigner dans l'autre sens. Bah en fait, le problème c'est le. C'est pas les mantas en fait. Le problème c'est les 60. Les 60, 65K de la sinistrie. La sinistrie, ouais. Qui est quand même assez violente. Alors, ma flotte principale, 86%. Je suis à 16,4K. Technology researched. Je dirais que là on est mieux quand même que tout à l'heure. Tout va bien. Bah, l'avantage c'est que j'ai plus les planètes qui m'embêtent et du coup je suis revenu positif à l'énergie. Youpi! Puisqu'il les a reprises. Enfin, sauf 3. Et tu n'oublies pas de me prévenir quand tu repéreras les mercenaires que je restack ouais. 20 000. Ouais, mais pour le moment ils me demandent moins que tout à l'heure avec les TK. Ils doivent dire que je suis pas bon. Moins bon payeur. Oh là là, je suis à chaise de tout. Enfin, j'ai pas de station de purification des minéraux. Bon. On va faire encore quelques minutes le temps de rénover complètement. Je vais faire mon point.
Alors, où on en est? Alors, ouais, les flottes rénovent, ça c'est bon. J'ai claqué tous les alliages. Donc, il y a encore du monde qui va arriver. Si je fais... Qu'est-ce qui se passe? Oh, punaise! Pause. Je suis en train de perdre toutes mes doctrines. Comment ça? Je remets tout. Hop, hop, sans réfléchir, attends, j'ai le stock. Non, c'est bon. Capteur. Voilà, c'est bon. J'ai eu peur. Dur. C'est bon. Hop. La détection de flotte. Hein. Ouh. C'est les packs, je vais mettre un détecteur de flotte. J'aimerais tellement que ce soit prêt pour aller taper. Enfin non, j'ai pas d'alliage. Restauration de l'or. C'est fini maintenant les alliages. Je sais, de toute façon tout est pas dans les dans la flotte, je comprends pas où est le drain. Tu vois, j'arrive même pas à gagner plus de 4. T'as un drain infini depuis le début de la guerre, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai développé plein de technologies militaires, ça l'a fait tout... Ouais. Moi j'ai 40 planètes qui attendent que je fasse des bâtiments dessus, et à chaque fois c'est 400, 500, et en fait c'est pareil, les minéraux je comprends pas où ils partent. Après quand je vois par contre ma puissance économique qui augmente à toute vitesse, je sais où ils partent quoi. Je suis au maximum de ma flotte en capacité navale, il faut que je revoie ça. Excellent, bah il faut que tu fasses dans la flotte de Fédé maintenant alors. Dépasse pas. Hein. Je peux parce que... Ouais mais dépasse pas trop, ça te coûtera des sous alors que la flotte de Fédé elle est... Oui mais elle est vite... je vais la gonfler ta Fédé, ouais. Ça y est. Mais je suis revenu positif en ancrage, je suis à 103 sur 124 en termes de capacité navale. En fédération t'as quoi surtout qui te manque? C'est... Tout y a rien, elle est vide, hein, à 711. Et en même temps, il n'y a que des destroyers et des corvettes. Faudrait que quelqu'un fasse. Alors attends, je me suis. Faire un modèle. Je me suis planté, non. Évidemment. On va laisser construire. J'ai tout mélangé. Ça avance, ouais, ça avance. Eh, ça y est, je reprends des alliages en positif. Excellent. Il me manque encore 1000 pour améliorer la flotte. Je sais pas pourquoi, comment, où, mais. Et j'ai perdu des croiseurs. Ou alors non, c'est oppression. Là, ah ouais, mais je peux faire les forteresses stellaires. Je vais commencer à en faire pour augmenter mes ancrages. Ça va être la solution. Et puis voilà quoi. C'est vrai que c'est pas très passionnant pour vous cet épisode. Bah, attends qu'ils viennent voir chez moi. Voilà. Venez voir la gestion planétaire à cela. N'hésitez pas, je vous mets toujours le lien dans les vidéos, je vous le rappelle. Et puis tout upgrade tranquille. Construction complete. Oh, c'est ça long. Fait tellement bloqué par la sinistrie, c'est juste. Écoute, il y a la 30K qui passe à côté, elle vient pas vers nous encore. C'est tout ce qui compte. Ouais, jusqu'au jour où on va dire j'ai 50K et si j'envoyais 50K sur ces pauvres sur ces lébacs. Et là tu vas dire oui. Ah, l'Abominator, tu l'as laissé à Traxoco? En voilà, c'est les bacs du coup. Ah bah, elle rénove. Ah oui, elle rénove. Mais oui, bien sûr que j'aimerais. Ça avance. Ça avance, quoi. T'as combien de chantiers navaux? Enfin, navaux. Non, chantier naval. Arrêtez de parler comme ça. 3 sur, c'est les, sur Trax. Allez. On y croit. Tout va bien. Alors. J'arrive à 22-30K là, en améliorant. Déjà c'est pas mal, je suis au max, je suis à 324 sur 302 en capacité navale. Mais je tiens encore l'énergie. Allez, je fais une première forteresse stellaire de mes chantiers où il y a les constructions. On va faire de la capacité. Et puis, c'est déjà la fin de ce merveilleux épisode tellement calme et cool. J'ai dû faire la paix avec Pandemia. Bravo. Voilà. Bon, on fait à Estlan. On continue. Ouais, on avance bien là. On continue. On fait une petite pause. Parce qu'en plus, il y a quelque chose qui vient de tomber. C'est avec qui la lassitude? Ah, c'est nous. Bah oui. C'est con. Bonjour. Et c'est qui? Ah, Sénestrie. Bah, on va taper la Sénestrie, hein. Ouais. Non, on peut pas. C'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure, mais c'est. Ouais, mais là. C'est 50. C'est 50K plus. Non, c'est 65K. On est content. La Sénestrie.
Mais oui, c'est elle, depuis tout à l'heure, que c'est pas les 30. Manta. Toutes les flottes que tu vois, c'est que la Sinistrie, c'est pour ça qu'ils sont coordonnées, ou qu'ils se battent pas. D'accord. Bah, on va être intelligent, ouais, on va reverra ça au prochain épisode. Là, c'est le 26e, où on se regarde justement comme des chiens de faïence, en se disant, mais c'est pas possible. Et on verra ça après. Un mot de la fin, ou c'est bon, mes chers amis? Allez, allez, on va gagner. Je le sais qu'on va gagner. Voilà. Oula, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe si Sam dit qu'on va gagner. On se rapproche très nettement de la date d'apparition du Grand Khan. Hein. C'était quel âge? C'est 2500 ou 2400? 2500. Ouais, bon. Non, 2400. Non, c'est plutôt. Ça va être avant. Imagine, c'est loin de nous à l'opposé, vers les essaims éloignés, ça serait merveilleux. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils tiennent beaucoup contre les essaims. Oui, mais on veut pas qu'ils tiennent. Ouais. Allez, on se retrouve dans 2 jours. Ça marche. À plus tout le monde.